Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Visite de son Excellence Christopher Lamora au ministère des Arts et de la Culture. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'était un grand honneur pour le ministère des Arts et de la Culture de l'État du Cameroun de recevoir la visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun ce 18 juillet à Yaoundé. La cérémonie de réception et de travail s'est déroulée dans la salle de convivialité du ministère des Arts et de la Culture sous la présidence du patron de ce département ministériel, Pierre-Ismaël Bidoumpan. C'est un signe honneur qui revient au ministère des Arts et de la Culture d'avoir à recevoir notre prestigieux de votre dimension. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, un grand pays, une grande puissance mondiale qui suscite en les Camerounais estime et admiration. Bienvenue au ministère des Arts et de la Culture. Excellent monsieur l'ambassadeur, sentez-vous chez vous. Chez nous, tous les hauts responsables du ministère des Arts et de la Culture et les représentants de toutes les catégories de personnel sont rassemblés aujourd'hui pour venir tout simplement vous marquer leur joie et leur fierté d'avoir à vous voir, d'avoir à vous écouter, d'avoir à simplement se manifester par un signe. Un mot, un geste, une voix. C'est ça le Cameroun, pays de fraternité, d'unité, de convivialité. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous souhaitions simplement que cette audience ait rapidement lieu. Au sortir de ce moment de travail, son Excellence Christopher Lamora, ambassadeur des États-Unis au Cameroun, a déclaré son admiration pour les œuvres d'art du Cameroun et la volonté de son pays à travailler avec l'État du Cameroun pour apporter plus de valeur à la culture camerounaise. Une très bonne rencontre avec son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, le secrétaire général du ministère et beaucoup d'autres membres de son équipe. Pour parler, pour échanger un peu sur comment l'ambassade des États-Unis et mon gouvernement en général peut travailler ensemble, coopérer avec le ministère pour promouvoir et développer les arts camerounais. Quant à ce qui m'intéresse, tout m'intéresse vraiment. Et ça, c'est le problème avec moi parce qu'en tant qu'ambassadeur, je n'ai pas beaucoup de temps avec toutes les choses que j'aimerais faire. Mais la littérature camerounaise, la littérature contemporaine, africaine, en général, m'intéresse beaucoup. Dès la première fois où je suis venu ici, il y a 30 ans, j'ai développé une collection personnelle des arts du Cameroun, des textiles, des masques, des livres, etc., des peintures. Et il y a tellement que le Cameroun a à offrir au monde, et c'est ce qu'on a parlé aussi, c'est comment mettre les arts du Cameroun plus dans le monde extérieur. Il est donc question pour les États-Unis d'Amérique de travailler en toute synergie avec l'État du Cameroun à travers le ministère des Arts et de la Culture pour la promotion et la vulgarisation des œuvres d'art camerounais. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.